Et salut tout le monde, c'est Conquérant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire un épisode de la nuit à Karazhan, pardon. Excusez-moi, on avait fait le premier épisode la dernière fois et là, on va faire la deuxième aile qui est l'opéra. Donc, on va l'ouvrir de suite, on va pas perdre de temps. Donc, on va assister à son spectacle, hein, si c'est bon, j'ai bien son enfant. Donc j'ai essayé de monter le volume normalement. Voilà. Ouais. Je pense que là vous entendrez bien. On va remettre un petit plus au cas où. Voilà. Et c'est parti. Donc. Aider Julianne à préparer le rôle de toute une vie. Si vous n'avez pas Romulo, là, ok. Donc nous allons combattre Julianne. Donc quel deck prendre, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc on va rester sur le démoniste, hein, qui est mon deck de base. Donc le chargement toujours aussi bugué, hein, faut le dire. Bon, vous m'excuserez pour les lags, hein, c'est mon PC, il est comme ça. Donc quand ça commence à faire bien, normalement c'est bon. Donc là, ça devrait être bon. Voilà. Là, je suis le démoniste, enchanté. Alors, nous allons enlever tout ce. Il a combien de points de vie? Il est où, tout masqué, je sais jamais. Je croyais qu'il y avait un bouton masqué. Non, non, c'est pas grave. Ouais, ben, je suis un peu con. Donc voilà. Donc, quel est son effet? Alors, Romulo, Julianne est insensible. Donc, il va être chiant. Allez, je sens qu'elle va être chiant. Bon, ah, tiens, hop. Ou attendre. Non, bah, ah, je, bon, j'ai fait, c'est pas grave. Je n'ai peur de rien. Confère bouclier. Donc, on peut faire ceci. Pour une fête réussie, il faut une pièce de théâtre. Et pour une pièce réussie, il faut un public. D'accord, et oui, il vous faut. Bon. On va jouer au bouclier divin, si le monsieur veut bien. Ah ben, il va invoquer son truc. Tu es plutôt encombrant, je dois avouer. Soyez-moi
Bon voilà, c'est bien. Attaque-moi directement, ceci ne me dérange pas. Ah! Ouais, alors là, par contre... Donc voilà, moins 4 points de vie, c'est pas rien. Donc tu peux remettre ton Romelio si tu le souhaites. Ça va être le combo. Hop, tu vas perdre 4 points de vie. Inflige également des dégâts au serviteur adjacent à celui qui l'attaque. Ouais, en attendant, on peut faire ceci. On peut faire ça. Et au cas où si elle invoque son amour, on va mettre une petite tentacule. Ça fait toujours un point de dégâts en plus dans le pire des cas. Donc elle perd 4 points de mana. Donc, et alors ça ne servait à rien. Alors. On peut faire comme ça. Comme ça. Et merci d'être passé. Et voilà, on a battu l'actrice. Alors, comédien pompeux, provocation 3-2. Bon, pas terrible. Bon, après, ça fait 3-2 pour deux mana, c'est quand même. C'est pas négligeable. Alors, fou en onyx. Alors, invoque un serviteur aléatoire mort pendant cette partie. Sympathique. Donc, c'est une carte prêtre. Voilà. Donc, je me demande ce qu'on peut gagner avec les défis qu'il a. Les aventures, voilà. C'est toujours assez sympathique. J'aime bien ce mot aussi. Le mot sympathique, je le trouve sympathique. Bon d'accord, j'arrête. Donc toujours le petit bug à la fin, en record c'est toujours comme ça. Vous m'excuserez. Donc nous allons combattre. Donc, sort héroïque. Le serviteur adversaire... les serviteurs adversaires ont 1-1 et coûtent 1 cristal. Ok. J'ai pas. Est-ce que j'essaie de le deck? Parce que ça ressemble quand même un peu au miroir, hein, sauf qu'ils ont tous 1-1. Il y a. Non, après ça sert à rien, ils sont pas résistants. Ouais, on va prendre mon décral d'agonie. On va voir, hein. Je ne sais pas du tout comment faire face à ça encore. Donc, je pense que je vais quand même bien galérer. Donc, si je pense que ça pourrait passer quand même s'il détruit mes serviteurs et que ça me invoque à chaque fois. Après, s'ils ont 1-1, ben, Seton déjà il sert à rien.
Ouais, sauf que je suis juste un démon, enfin c'est pas grave. On va garder notre main. Ah, il a 20 points de vie par contre. Donc on peut commencer par invoquer. J'ai pas compris leur délire là. Donc si je termine. Non, ouais. Je croyais qu'il reviendrait normal. Alors, invoque une araignée, un truc. Ouais. Mais c'est pas grave. On peut faire ça. Toi, je vais t'auto-détruire. Et voilà. Déjà, tout ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est ce deck que je vois bien quand même. J'ai une bonne main. Donc, j'espère que cette aventure sera pas trop rapide non plus. Ça peut être rigolo aussi. Allez, hop. Non. Je vais pas prendre de risque. Si, je vais te détruire. Non. Je vais. Voilà. Mais étant donné que. Ah, non, c'est pas l'invocation. Du coup, son effet il sera 1-1 quoi qu'il arrive. Enfin, attention, je ne change pas grand chose, je pense. Alors là, par contre. Oui, bah, ça va, il est un peu con. C'est pas grave. Ça fait mal quand même. Toi, je t'aime bien aussi. Quel beau spectacle! Encore meilleur que celui de l'ogre qu'on a pourchassé la semaine dernière. Alors. Donc voilà. Non, je prends pas de risque encore. Donc, voilà. Ah, alors lui va faire mal, je pense. Je le sens bien, lui. Oh, toi, je t'aime bien. Mais vu que tu coûtes 1, on peut faire ça. Je pense que je t'ai battu. Ça fait mal, ça fait mal, mais j'ai survécu. Délicieux. Ouais, délicieux, ta défaite, je dois avouer. Stup. Allez, juste pour fun, tac, tac. Donc voilà, c'est là je le trouvais plutôt facile, personnellement. Donc j'ai bien fait de pas supprimer mon dernier deck. Donc, Ral d'Agonie invoque un grand méchant loup, 3-2. Donc cette carte à 1-1, elle coûte 2 mana. Bon, on va dire, si, c'est pas mal quand même, une carte chasseur. Alors, géant arcanique, alors... Coûte un cristal de moins pour chaque sort que vous lancez pendant cette partie. Cette carte, elle me paraît bien intéressante. Je pense que je pourrais l'utiliser dans mon deck spam sort. Ouais, si, pourrait être pas mal.
Enfin, j'irai. Donc, toujours la fin, on va dire, buggée. Voilà. Donc, pour le troisième. Donc, le dernier acte, l'escalier se trouve plus loin. Affiche un point de dégâts, ne peut pas être utilisé si Dorothée est en vie. Alors, 100 points de dégâts, non, ça va, ils abusent pas. C'est comme l'autre qui affiche 30, sauf que là c'est 100. Dans du Mont Roche Noir. Alors, on va utiliser le deck classique pour moi. Non. Si c'est Dorothée encore en vie, on va peut-être utiliser le deck prêtre. Donc on va pas utiliser le deck Setan Setans, on va utiliser l'autre. Ça fait même un moment que je n'ai pas joué le deck Christ. Donc, chorégraphie des médivores. Donc c'est parti, placement des pièces, plus rapide, et c'est parti. Donc Dorothée a quand même 10 points de vie. Donc on peut jeter, ça se fait une provocation. Les adversaires doivent attaquer avant les provocations, ok. Bah oui, enfin, forcément. Le serviteur à gauche, on charge. Les serviteurs à droite, provocation. Ah, sympathique. Ah, j'aime bien leur concept. Protection. Provocation ou charge. Ah, j'aime bien. J'aime bien le concept. Donc, étant donné que... Et la provocation, on peut lui mettre la charge et lui attaquer directement ses points de vie. Donc, exactement, on va détruire ses serviteurs. Je préfère les détruire. Dépense un cristal mania, gagne +1/+1. Oh, attendez. Ah, d'accord, celle-là j'aime bien. J'aimerais bien la gagner, celle-là. Ouais. On va la mettre en provocation. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est une petite charge bien sympathique et te faire perdre 8 points de vie. Donc tu sais pas jouer, heureusement pour moi, on peut faire ça. Non, on va faire plutôt comme ça. Hein? Oh je suis bête. Oh c'est pas grave, c'est moi qui sais pas compter, sérieux, faut pas faire attention les gens. Alors, vous piochez 2 cartes, gagne +4 d'armure, ouais. Bah les gens, la deuxième aile, par contre, je l'ai trouvé assez simple, hein, quand même. +3, +4, +7, +8, +9. 10, 11. On a gagné. Prochain tour. Non.
On n'a pas encore gagné. Pas trop gênant. Bon, quoique, si on a gagné, je pense. Regardez, si on fait comme ça. Allez, hop. Donc voilà, apparemment, l'opéra n'a pas l'air si compliqué que ça. Nous allons libérer la fille. Donc il n'y a pas l'air si compliqué que ça. Donc voilà. Méchante sorcière, carte shaman. À chaque fois que vous lancez un sort, invoque un totem basique aléatoire. Donc voilà, donc c'est les protections suite à d'attaque et le soin. Rôdeur de douve, alors une carte neutre, détruit un serviteur, râle d'agonie, cri de guerre, détruit un serviteur, râle d'agonie, ravoque ce serviteur, d'accord. Par contre, je la trouve pas terrible personnellement, enfin tout dépend. Puisqu'elle coûte quand même 6 de mana, donc pour 3-3, voilà. On va dire que c'est une petite carte, elle peut être utilisée pour de la stratégie, donc je vois pas encore en quoi. Mis à part activer un râle d'agonie deux fois. Ou encore re-soigner un serviteur après, peut-être. Donc voilà. Donc, Filfé Forban, cri de guerre, ajoute une carte de classe aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire. Ok. Barn, invoque une copie de serviteur 1-1 d'un serviteur aléatoire dans votre deck. Excusez-moi, j'ai mal lu. Et on a débloqué les trucs de. Enfin, les défis de classe, démoniste et paladin. Donc voilà, et la suite ça sera plus tard, donc merci, je trouve que cette vidéo ça fait un peu court, mais c'est pas grave, on peut regarder vite fait les défis de classe, non on se gardera la surprise pour la prochaine fois, voilà, donc bon, je pense que je n'ai rien à vous dire, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de laisser un like ou commenter, partager si ça vous a plu. Si vous avez des remarques particulières à me faire, n'hésitez pas à laisser un petit comme, hein, voilà. Donc je vais vous laisser et on se retrouve pour ma prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!